Voilà, de nouveau des trucs et astuces avec le MultiQuick 5 Pro de Braun. Cette fois-ci avec le petit fouet. Qui ne connaît pas des chefs étoilés qui font la béarnaise à la 8? On dit, hop, faut fouetter en 8. Mais non, maintenant, on a le MultiQuick 5 Pro de chez Braun et votre béarnaise va être 1, 2, 3 et c'est fini. Ok, donc la béarnaise MultiQuick, 4 jaunes d'œufs, voilà, 2 vinaigres de vin blanc, 1, 2, 3, 4 et 4 cuillères à eau, 1, 2, 4. Voilà. On va mélanger un peu. Le chef chez vous commence maintenant comme ça. Donc, pas trop de vitesse. Hop, on peut régler les vitesses ici. Donc, comme ça, wow, très lentement ou très vite. Un peu entre les deux. On a aussi mis le beurre à clarifier. Comme ça, le petit lait, il descend et la graisse avec le goût va monter. Comme ça, on peut monter la béarnaise tout à l'heure avec le beurre. On met sa main qui n'a pas trop de... On met le feu 4-5 et on commence, hop, avec la mousse. Dès qu'on a un peu de mousse, hop, on va augmenter un peu le feu et aussi la vitesse. Voilà. Vous voyez bien comment la mousse se forme. Hein? Maintenant, il y a le feu en dessous. Ça va chauffer, donc faites attention qu'on ne termine pas avec une omelette au vinaigre. Diminuez un peu la vitesse. Et maintenant, on prend le beurre clarifié, hop, et au fait, on monte une mayonnaise chaude. Maintenant, la béarnaise se forme. Et il y a un chef très content ici. Voilà. C'est fait. Vous voyez, bien mousseux. Oh, oh. Le chef très content. Vous, très content. Tout le monde, très content. Sel, poivre. Voilà. Et puis, évidemment, l'estragon haché. Et c'est ça qui va donner plein de goût à notre béarnaise. Voilà. Vous voyez ? Goûter, c'est très important. Magnifique. Voilà. Le steak grillé avec beaucoup de béarnaise. Voilà. Un mot, un geste et Pete fait le reste.